Hey, salut tout le monde, ici Harkoun. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Destiny. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle strat, en fait, pour niquer cet enfoiré d'Oryx. Pour le bon fonctionnement, on va dire, de cette nouvelle strat, vous allez devoir spawn kill les ogres, c'est très important. Donc faut impérativement les spawn kill pour éviter que chaque lumière altérée qu'ils vont lâcher soit trop éloignée les unes des autres. Faut essayer de les regrouper, en fait. Alors, on a l'habitude de faire exploser justement les lumières altérées dès qu'on a stunt Oryx. Donc là, ça va différer. On va pas aller les faire exploser, justement. On va rester dans la relique, histoire d'être à l'abri en fait des tirs d'Oryx, tout simplement, et nettoyer les mobs. Et là, une fois tous les mobs nettoyés, justement, Oryx va revenir au milieu et il ne va pas vous envoyer justement ces espèces de missiles à tête chercheuse là qui vous explosent au cul. Il va tout simplement vous téléporter. Et là, encore plus important, l'écho d'Oryx, il va falloir absolument le tuer. Donc n'hésitez pas, envoyez de la lourde, du sniper, la flèche du chasseur pour l'immobiliser quand il vous charge. Mais attention, si vous le touchez avec la flèche, il va charger plusieurs fois. Donc faites très attention. Une fois que l'écho est mort, vous allez être re-téléporté dans la salle principale, ce qui fera un tour. Vous allez devoir répéter ça 4 fois à la suite. Et attention, au quatrième tour, vous allez aller faire exploser justement les lumières altérées. Alors essayez de passer à travers toutes les lumières éthérées, d'où le but de spawn kill les ogres pour que les boules ne soient pas trop éloignées. Donc plus facile à atteindre une fois que vous allez les faire exploser. Donc essayez de bien passer à travers toutes les boules. En restant le temps qu'il faut et revenir directement dans la relique. Si vous réussissez à faire ça et que chaque joueur fait exploser ses 4 lumières altérées, revenez vite dans la relique et regardez la vie d'Oryx parce que c'est vraiment, vraiment du sale, les gars. De suite, je vous laisse avec le gameplay. N'hésitez pas à lâcher des coms si vous avez des questions et bon visionnage, gardien. In all honesty, I knew when I first saw you that one day you'd be holding my hand. No twist of fate could separate you from me, no. We watched the fairies float in the sky. We watched the light fade to dark outside, and I knew top. C'est l'habitude.
Putain, once de méchanceté, c'est un scandale. Je te jure. C'est abusé, cette arme. Ah ouais, Eris, elle a le seum. Attention, on va être TP. J'arrive. Arcoon TP. Bien joué. Bien joué ça.
la moitié de ma vie. Je me suis posé tant de questions, perdre la raison, pour ne pas avoir la clé à mes réponses. Même plus le goût de parler ou de sympathiser, on sympathisait. Sors pas ton gun si tu sais pas teaser. S'il faut apprendre à viser dans le bien le mal, une balle dans la tête pour effacer ta vie. Solution. Le mic me s'y rattache, pourquoi veux-tu que je rabasse? Blatatata, Arkoun te fait. La vie est un combat du rabat. Tu peux avoir les radis, le paradis, des bons ratatines, c'est-à-dire, tout n'est pas facile. Les rapports familiaux peuvent être faussés, froissés, flotter dans le fossé, en gros, dur de se rattraper. Au travers d'une vie qui peut être un calvaire, je n'écoute le son, avec pulsion, précision, pulsation, toute façon. Écoute garçon, c'est pas des coups de klaxon. En une fraction de seconde, des rimes se forment, non. Les personnes huppées côté, fils de écrivent des livres dans les attention, ce coup-ci, on fait péter, les gars. Des lignes, d'être né avec trop d'argent, des parents non présents, des avoir connu la descente aux enfers. Mais à présent, je viens de dire que l'enfer, il est ici et que nous, tous les jours, on y vit. Péter à l'autre vie, nos tours en vis-à-vis sur commissariat. Mais tu crois quoi, peut-être, que les darons étaient là pour le plus chanceux daron. Ils l'ont connu, en contrepartie, cet enfoiré les a cognés. Les mamans se lèvent tôt le matin et rentrent tard le soir avec l'espoir de pouvoir voir leurs enfants faire de longues études le traîner dans le square, alors que les petits montent tard sur le toit des tours pour voir si les flics les sifflent. Mais viens, je t'invite à faire un tour dans mon ghetto. On s'y reste bien dans ta putain de merco. Tu les verras fumer le bédo et fuir l'école au lieu de s'instruire. Alors que les grands se tirent dessus, sortent l'écran et se foutent dessus. T'en verras certains jouer au foot, mais pour une faute, ça saute. Mais c'est bien joué ça. Le bourreau de ma fille, c'est Nicolas Sarkozy. Si tu savais, petit ton 9-4, le département se périt. Tu transformes petit à petit, non pas en New Delhi. C'est pas grave, c'est pas grave. Il tape. J'irai faire ses boules à Fab. Quelques positions, je ne pouvais pas finir mes jours entre les mains des matons. Mais bon, quelle autre solution? Track, back, la justice. Allez, go. Elle m'a fait opposition sans condition pour quelques points. Flou de commotion, fou frère. J'ai découvert mes faux frères. J'invoque la loi du flashback. J'aimerais retourner en arrière. Oublier mon manque d'amitié avec la bac. Un joint, une cloche. Pas grave, pas grave, pas grave. Et des millions de visions. Parfois, dans des raisons, on prend les bonnes ou les mauvaises décisions. C'est passé. GG. La monnaie de l'harmonie sans prémonition. Vas-y, placez-vous. Ces questions et ces réponses comme définition. T'as vu, c'est un bordel ou pas? C'est un truc de ouf. Estimation, évolution, révolution, élocution, évacuation comme solution. Première sommation, peu de sommeil, alcool, consommation. Tiens, bâtard, voilà. C'est ça. Si, si, GG, les gars. Ok, c'est magnifique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Au pire des cas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt dans un recoin de la galaxie. Ciao!